Ce jumelage avec la ville de Recklinghausen depuis 1965, mais si vous voulez, depuis que moi je suis élue, depuis un peu plus de 2 ans, il n'y avait rien eu avec cette pandémie, il n'y avait eu aucun échange avec nos villes jumelées. Donc je pense qu'avant, il y a eu beaucoup de choses de faites hein, chaque année, mais pour moi, c'est la première fois. Alors en fait, c'est la ville de Recklinghausen, c'est Madame Pimfeller qui m'a contactée dans un premier temps, donc c'est l'enseignante qui est à Recklinghausen, mais qui est douaisienne au départ, mais elle vit là-bas depuis 20 ans et elle est prof de français là-bas. Et elle m'a contactée pour voir ce qu'on pouvait organiser. Et voilà, les échanges ont commencé comme ça. Et moi, j'ai dit qu'on ferait un accueil à la mairie. Donc demain, ils auront l'occasion d'aller faire un accrobranche que la ville leur offre au parc Vernier. Là, ils vont visiter le beffroi juste après. Pareil, un petit cadeau. Ils découvrent la ville et ils découvrent surtout leurs correspondants parce qu'en fait, ils ont noué ces liens pendant 2 ans, pendant cette pandémie, où on ne pouvait rien faire. Et là, enfin, ils se voient pour la première fois. Ces deux classes se rencontrent pour la première fois aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé du beffroi de Douai? Qu'est-ce que vous pensez de la ville en général? Wie fand ihr das mit der Stadt in Douai, mit dem Bergfried? Wie findet ihr das hier? Sehr interessant, also auf jeden Fall anders als in Recklinghausen. Und ich finde das schön, das jetzt alles hier zu sehen. Très intéressant, complètement différent que à Recklinghausen. Elle adore visiter tout ça. Et qu'est-ce que tu penses de la population douaisienne? On sait que bon, les Français sont peut-être un peu différents que les Allemands, peut-être, je ne sais pas. Wie findest du die Bevölkerung in Douai? Die Leute, sind die sehr anders als in Deutschland? Ich finde die alle sehr nett. Also alle sehen total nett aus. Alle haben auch einen komplett anderen Kleidungsstil und alle sagen mal Hallo. Das finde ich toll. Elle trouve très très sympathique. Tout le monde dit bonjour. Chacun son style de fringues. Il y a une bonne ambiance. Et est-ce qu'ils ont l'intention de revenir à Douai si ça leur plaît? Habt ihr vor, nochmal nach Douai zu kommen, wenn es euch gefällt? Also ja, ich würde schon nochmal nach Douai kommen, weil es gefällt mir sehr und ich finde die Stadt ist auch sehr, sehr sauber und ich finde die ist einfach sehr schön. Julia, l'intention de revenir, ça c'est sûr, parce que ça lui plaît bien ici, elle trouve la ville jolie, propre, accueillante et c'est la première fois qu'il va être venu.